là-bas plus loin. Et tu vas avancer et à chaque pas tu vas plier les genoux un peu plus. Tu vois le truc? Ouais, tu vois ça, voilà, si ouais. C'est sable, c'est parce que tu vas aller bien qui dans le devant. Si ça remonte, c'est que tu n'y arriveras pas. Donc voilà, je rentre en finale super haut parce que j'ai de la marge et que je préfère rentrer trop haut que trop bas. C'est très bien. Par contre, une fois que je rentre en finale, si je dois faire une correction, si la cible elle est là, là devant toi, là, je ne fais pas. Ça, c'est pas une correction. J'arrête instantanément pour consommer ma distance. J'ai besoin de cette distance pour refaire une finale. Si j'ai besoin de faire plus qu'un virage, il me faut de l'espace. D'accord. Vraiment, c'est une correction, c'est 90 degrés. Arrêtez de consommer. Vous vous êtes emmerdé à construire une approche, à être en entrée de terrain pour avoir cette distance nécessaire. Et par des corrections qui ne sont pas des vraies corrections, je consomme tout mon terrain. Dommage. C'est bien que là, les placements, c'est bon. Prochain coup, les corrections de 4, 90 degrés. Et c'est vrai que là, je vais dire de refaire une finale. Bref. Je n'ai pas la panique, je suis collé à ma cible. Bon, qu'est-ce que tu penses de Jackie? Il a bien atterri Bel atterro. La vie Jackie, là. Rien à dire. C'est vrai? Oui. Bon, bah, écoute, on peut le valider. Sans problème. Comme Johnny. Johnny validé. Bon. Ah. Mister Jack. Ah, j'étais bien là-haut dans la montagne, j'étais tout seul. Bon, Joël, t'as validé. Il t'a validé. Ah, il a validé mon atterro. Ouais, comme Johnny validé. D'accord. Ah bon, bah alors c'est bien, je suis content. Voilà. T'es bon, maintenant t'es breveté et validé. D'accord. Si tu te dépêches, on peut remonter. Pardon? Si tu te dépêches, on peut remonter. Ah ouais? Et on peut faire un deuxième.